Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h p.m. sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Qu'est-ce qu'une armoirie? Quelle est la nature de la vraie armoirie d'Haïti? Que symbolisent les lions, le coq, la branche de palmier, la branche de laurier et la couronne de l'armoirie impériale? Y a-t-il un certain rapport entre l'armoirie impériale d'Haïti et l'emblème de la tribu de Juda? L'historien Jean-Victor Gustave et l'entrepreneur Valérie Gustave, nos invités ce soir à Blocus. Alors, ils vont répondre magistralement à ces questions. Alors, bonsoir. Et historiquement, Valérie. Gustave et Valérie, et bienvenue à Blocus, véritable Pascal d'échange, de débat constructif et de propositions. On commence à Valérie. D'abord, me salue Valérie. Bonsoir PRG, c'est un plaisir pour moi vous là ensemble avec nous. Bonsoir à tous les auditeurs, les youtubeurs de Blocus et à tous les rois, les reines d'Haïti. Nous allons prendre pour qui ça tout à l'heure. Et nous connaissons nous passer un bon moment. Je dis, c'est l'élève professeur Gustave qui vient assister professeur Gustave. Merci. Tout à fait. Professeur, nous saluons, oui, là. Salut au PRG et merci encore une fois pour l'invitation. Et je salue toutes et fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, et YouTube. Alors, YouTubeur de Blocus, okay, émission ça qui c'est, j'aimerais me dire là, une grosse université avec un coquine chaîne professeur principal et un paquet d'autres professeurs secondaires. Et bien nous là encore une fois pour une belle émission. Je veux dire, regardez, c'est pas une plus belle émission de le faire. Ok, vas-y, mettez tout le monde, vous mettez les oreilles là, vous prenez un bibio, un plumio, un feuille, parce que nous allons faire un bel voyage ensemble. Tout à fait, c'est un voyage historique que nous allons le faire. Et avec vous-même, nous pourrons faire un voyage, dans l'espace et dans le temps. Si vous permettez-moi de dire comme ça tout. Et puis, nous pourrons regarder ensemble avant, parce que quand on va aller à l'école, nous pas arriver à connaître, vous me dites nous ça. On a moins à risalier, il n'a pas expliqué nos bagages ça, il y a un conseil de symbole, ou pas arriver à connaître, symbole lion, symbole coq. Là ouais symbole ça ouvre les dix qui message yo véhiculer et puis l'autre information nous pral plus capitaliser tout li sous li c'est que il y a plusieurs invités me grande jeune dans Blocus qui quand dit bon nous même nous c'est juifs, il y a l'autre qui dit nous sorti dans tribu de Dan, il y a l'autre qui dit nous sorti dans tribu de Juda. Je dis on va regarder ou même approche parlant ou pral montrer que rapport qui gagne entre l'armoirie impériale d'haïtien et puis avec emblème tribu de Juda. Tout ça yo pral faire objet de débat. On a les professeurs et qui sont armoiriers. Alors, on est plein le pouzan mio parce que vous avez plein son travail d'éducation. Armoirie, ça s'écrit A-R-M-O-I-R-I-E. Qu'est-ce qu'une armoirie? Qui est-ce qui a répondu? Femme d'abord. Ah, ben d'accord. On a les Valérie. OK. Pour reprendre ce que dit Pierre-Richard, quand il n'y a pas à apprendre, nous avons pour qui ça? Je vais répéter un écrivain, historien tchèque qui vit de 1927 à 1989. Non, c'est Milan Hub. Il dit, pour nous finir avec un peuple, nous commençons par effacer mémoire, nous détruire les livres, culture, histoire. Laisse ça, il y a l'autre monde écrit livre pour vous, il y a l'autre culture, inventer pour vous l'autre histoire. Laisse ça, il y a tout doucement commencer à oublier ça, il y a ça, il y a. Et puis, le peuple qui est à côté, il y a même pi vite. Après ça, m'a fait nous songer une petite phrase, un président américain qui relait Franklin Delano Roosevelt a dit à propos de Haïti. Il dit nous devons toujours monter moun pied à terre contre moun qui gen soulier yo.
et puis mettez moun ak souliers dans condition pour yo ap goumen yon ak lot. C'est seule façon pour moun ki gen pour nous gen domination continuer sou pays ça côté nèg noue sa yo te goumen ak zam pour yo prendre indépendance yo. Ça c'est un mauvais exemple pour 28 millions noirs dans Amérique là. Donc nous gen on idée le besoin fin avec de complot vous. De complot exactement fait là et il y a l'arrivée jeune nous pas jeune bout de noué d'avec même pas connait ça il a fait tout plan ça pour nous arriver là effectivement il est arrivé maîtriser nous exactement mais ça fait nous lire passage ça c'est pour nous ca dire haïtien mettre tête nous sous épaule nous pas entrer dans jouette là. OK et qu'on y a là à partir de pas entrer dans jouette là nous va ban notre raison qui fait nous comprendre pour qui ça veut dire ça veut dire ou mande qui ça qu'on amoire. OK, un amoari c'est un emblème qu'on utilise pour représenter soit un état, une ville ou bien une famille. Qui ça qu'on fait pour représenter yo? Yo qu'on utilise soit image bête, plante, étoile et zam initial, élément qui sorti dans natial et du feu, la mer et cetera. C'est ça qu'on amoari. Exemple l'amoari des Américains. C'est l'aigle, oui. Si vous venez de comprendre. Exactement. Okay. D'accord. Eh bien, après le regarder, et la nature de la vraie armoirie d'Haïti, ça lié, okay. Selon l'histoire, ou bien au regard de l'histoire. OK. Nous allons commencer là. Et je vais faire un petit zoom pour montrer exactement la nature armoirie d'Haïti. Et Victor... On va toucher. Ça c'est serment ancêtre yo ta fait dans date qui était 1er janvier mercredi 1er janvier 1804. OK? N'a pas sou ça c'est une allégorie, ça veut dire son peinture de scène nan que yo fait là. Il a représenté qui Jean et moun yo te yé le d'abord li discours 1er janvier 1804 en parlant de Jean-Jacques Dessalines avec tout héros yo le d'abord prêté serment pour rester fidèle à serment que yo fait. N'a gardé nous wè gon lion. Première question pour nous poser tête nous comment faire gon lion là pas gen lion en Haïti. OK? Donc c'est pas un lion en réalité qui vivant mais c'est un emblème un lion qui là. Dans mitan beaucoup de lion, n'a pas mettre un petit bagaille là. Ça c'est exactement ça veut dire depuis dans 1er janvier 1804 en cette nous des gars travail sur ça qui relait à moire. Il pas visible mais si on regarde là avec loupe ou ap ka wè effectivement li gen même format avec vrai armoire Haïti te gagné en l'an du 1er janvier 1804 en royo n'a pas dame nan li campé avec un drapeau nan men li gen deux couleurs verticales sou sac pi pa la ou ka pense c'est rouge et puis sac pi foncé c'est noir. OK, de façon verticale fi a brandi nouveau drapeau. Moun ki di nou ke drapeau a il pas horizontal depuis sous Dessalines, c'est pas vrai. En honnête, n'a pas gen un ange. Ange nan li gen nan bouche li yon trompette et puis sous nan l'autre main, li gen yon couronne qui fait un laurier. Côté li t'a annoncé nan empire 1er janvier pral gen un empereur. OK? Pas en bas encore. N'a pas gen deux chaudières qui gen l'encens k'ap boule. OK et bien en mi-temps n'a pas pupitre là ça relé escabeau côté pas escabeau non pupitre là côté de Saline campé pour la prononcer discours et ouais en mi-temps pupitre là gagné à moi alors pupitre là en petit table pour nous expliquer pour monde comprendre exactement petit table campé devant là il y a les pupitres là et mais exactement en mi-temps pupitre là à moi gravé tout il gravé la donne. Ça c'est une représentation de allégorique de scène 1er janvier 1804 là. On y a ça pour dire pour qui ça remet au ange. Attends, œuvre ça c'est de qui? Ah OK. Coup de pinceau ça, beaucoup de pinceau ça. OK, document ça nous tirel, parce que n'a fouillé exactement. Document ça nous tirel, non livre qui relait manuel d'histoire d'Haïti en collaboration avec les frères de l'instruction chrétienne. Et procure des frères de l'instruction chrétienne de 1934 de J.C. d'Orsainville. Ou qu'on pourrait ça nous faire exprès parler de frères de l'instruction chrétienne parce que m'bral montrer nous qui méchanceté qui gagne. Yo fait livre ça en 1934 même si livre ça dans même livre ça
yo pral modifier pour te ban nou ti livre pa nou lè nou te l'école Pierre Richard. Mm-hmm. Ou son j'ai ti livre qui te gagné ro Jonah Bricou examen yo retiré section ça la donne parce que j'ai l'impression que le jeune nous t'a commencé l'ouvrir mais grand-parent nous était là 1934 je même sous terre il pas t'a gagné aucune importance pour ou lion ou tout bagage ça pas du rien et mais vous connaissez ça écrit en bas texte le 1er janvier 1804 là il dit place là t'es gon pied palmis qui était ap qui était présent dans photo sous mon a bien gardé pas aucun côté gain pied palmis yo détamé été depuis là on commencé fourrer pied palmis dans l'esprit nous pour faire nous comprendre depuis en 1934 après constitution 1932 a. Et puis nous wè un ange qui gen trompette dans bouche li c'est un seul catégorie moun qui kon a annoncé roi avec trompette c'est notre tribu juif yo parce que c'est après chaque fête trompette dans Lévitique 23 yo toujours couronné roi en Israël dans période Yeshua c'est pas période ça non c'est pas moun qui là yo m'a parlé dans période avant Yeshua depuis sous Juda rivé sous dernier roi avant c'est rivé sous petit Salomon c'est Lesias OK effectivement là n'a regardé dans recherche n'a point que Jean-Jacques Dessalines li couronné empereur le 6 septembre et fête trompette là t'est tombé mercredi 2 septembre 1804 exactement après fête trompette ça veut dire depuis là où t'es t'a pas annoncé donc ça c'est premier aspect qui gagné dans et nature vrai amour Haïti a kounya nous va plus loin pour nous montrer qui ça qui tribu qui genre symboliser tribu OK là nous gagne dessin yo n'a pas gagne plusieurs et dessin moi fait deux façons parce que je viens plusieurs sur internet OK tribu Juda meni il toujours symbolisé avec un lion songe que me dit amoria li gagne bête li gagne oiseau li gagne pied bois li gagne li gagne toute bagarre là dedans exactement Chandelier c'est pour tribu Lévi. Siméon c'est lui-même qui a protégé forteresse. De l'autre côté toujours montre Siméon gè épée dans main parce qu'il remet bataille. Asher qui dans mi-temps il représente Pierre Olivier. OK? Issachar, il représente le pour Anne. Joseph représente pour Pierre Rézé ou bien Pierre Épi. Et gagné Zébulon. Zébulon représente pour la mer, ça veut dire toujours montre bateau qui a navigué. Gad représenté par les tantes et gen Ruben yo toujours représenté par la nature soit as ou bien nature ou bien soleil Naphtali li même son zeb kap volé et puis pour finir nous gen Benjamin qui représenté par loup maintenant focus sur Juda Juda li même ni représenté avec un lion et ça faut qu'on t'a parlé de lion de la tribu de Juda lion de la tribu de Juda N'a besoin d'une Apocalypse 5, verset 5. Il dit, li laisse ça. Yon nan grand moun yo di, mwen kon sa, pa kriye. Gade, men lion ki sorti nan fami Juda, petit David la, ki te gen batay la. Li kakase 7 sele yo pou louvri liv la. Se laisse ça, yon tap montre exactement que tribu Juda représente pour yon lion. Kounya n'a avancé. Mais ça se présente là, c'est 12 tribus. 12 tribus. 12 tribus, 12 petits Jacob. Et nous sommes représentés nous là. Avec tout. Et ou après tout, Dan m'a oublié de parler de Dan. Dan toujours représenté soit pour un balance ou bien pour un serpent. Tribu Dan. OK? Léviens, soit montrer chandelier ou bien montrer pectoral là qui est sous l'estomac client. OK? Jusqu'à présent, nous corrigeons. Oui, nous corrigeons. Nous m'ajoutons un bagage. Oui. On a ou surtout 12 tribus. OK? Mais sauf que dans toute tribu ça yo, il y a une là-dedans yo qui yo même c'est eux même qui toujours gagne pouvoir politique là. Ça veut dire en Israël tu gagne 12 territoires, ça veut dire 12 territoires côté chaque petite ça yo, tu là un territoire, tu là une zone. OK, c'est ça ne relé par exemple de Saline te fait empire là ou elle te fait 6 régions, en Israël c'était 12 côté sauf que en dedans yo Adonai décidé gagne Juda, c'est la lui même, c'est la lignée ça a tout roi yo a sorti.
Et puis pour temple là, parce que deux bagages qui étaient plus importants, c'est direction terrestre là et direction spirituelle là. Temple là, c'est Lévite yo, ça dit ça les Lévi, c'est lui qui est responsable temple là. Ça dit descendant Lévi yo, t'es dans temple là pour faire cérémonie, pour faire sacrifice la période là. Et tout le monde qui t'a le roi pour gérer territoire ça sur plan politique, c'était tribu Juda. Ça il faut toujours mettre ça en tête, nous Juda, c'est tribu qui était en rapport avec royauté, avec royaume d'Israël là. C'est qui était dirigé toute l'autre tribu. OK, ça me t'a pas ajouté. D'accord. Nous allons regarder pour nous symbole, nous allons et ça symboliser. Par exemple, lion, ça le symbolise, lion, ça le symbolise. Donc, nous avons montré dans la tribu de Juda. Nous allons regarder le coq, ouais, même dans l'histoire politique, nous, des fois, nous avons pris un coq qui est un peu, nous avons pris un branche de cheval qui est un. Et nous allons regarder la branche de palmier, et toujours dans l'armoirie, la branche de laurier, et puis la couronne de l'armoirie impériale. Couronne ça, bande détail non sous élément ça. OK, Pierre Richard, ou ka parler là, parler au di moun gen coq, gen lion, gen couronne, yo boko jan mwa de ki ça va parler. Mais même tout m'pa te konnen et nous fait découverte ça. Ça c'est un document papier terre. Côté nous gagnen armoirie impériale Jean-Jacques Dessalines nan ki en l'air. Moi te fè l'autre format, moi montre nous tout document et n'a prend un saut à côté. Saut ça, li écrit sous li et min affaires étrangères, archives et puis écrit RF. C'est saut côté au sel, le document c'est numéro 191. Son document est mais c'est un document authentique Jean-Marie là. Oui, son document authentique qui chita dans archive un pays qui pas pays d'Haïti. Ça veut dire son l'autre pays qui prend là le cachet de la Cali et moi le montrer nous pour ça le cachet de la Cali. RF là s'il vous plaît, il veut dire moi le montrer nous qui ça le veut dire. Nous drapeau ça. Oui. République française. C'est eux même qui cachent document ça la Cali et nous joignent document parce que vous n'avez pas le droit comment faire joindre document comme ça c'est pas ultra secret document ça et bien exactement et ça fait Yeshua te dit dans dernier temps tout ça que t'es caché à révéler ça veut dire tout sorte tout ça ou caché nous sommes à l'ère du verso oui Pierre Richard qui a fait une lecture souvelée de document OK parce que c'est document haïtien lié. Bon, regardez moi au palais impérial et parce que il pas trop lisible non comme tout ça Dessalines le 31 janvier 1806 en 3 de l'indépendance d'Haïti et de notre règne le en fait Jacques empereur et parce que il pas trop lisible non premier d'Haïti et chef suprême de l'armée par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État. Voilà. Et puis, il y en a toujours? Oui. Oui, il y en a toujours. Il y a les pièces, etc. etc. Yes. Voilà. Donc, ça, c'est document. Côté, nous montrons nous exactement. Jean Dessalines te mette dans la Constitution qui j'ai préparé papier avec en tête. Mme Lille. C'est la Constitution 1805. L'article 37, côté titre qui est du gouvernement. Dessalines écrit, tout acte public sera fait en ces termes. L'empereur d'Haïti est le chef suprême de l'armée par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État. Mais ça veut dire que c'est le document ça est authentique vraiment. Yes. C'est comme ça c'est l'outil là. Oui. Okay. Ça, c'est un bon document. Article 37. OK, du gouvernement. Et puis après en bas, après signature de Saline. Oui, de Saline authentique. Qui va connaître écrit. Qui va connaître écrit. Il y a des paraphes de Saline. Et c'est monté Mounio Novari. Un bel paraphe de monde qui va connaître écrit, qui va connaître. Ça veut dire, ouais, c'est pour tout haïtien comprendre qui est allé au dit nous va connaître, nous intelligents. Voilà. OK. Mais qui est ça caché pour nous? Pour nous présenter nous à moi, rien pour montrer qui rapport qui gagne avec tribu Juda. Là, ton avant chérie. Là, nan pouè amwaria à côté de yon pièce que yon fait un fouille archéologique. OK? Nan pièce archéologique que yon fait fouille là, là nan pouè piklè. Nou wè lion yo. Nou pa wè gen deux lions. Premier, deuxième. Nan mi tan gen chandelier, sept branches là. Et puis après ça nou gen boîte contrat. Et puis nous joignons sous côté gagne une colombe
après gagne raisin, gagne cruche, gagne trompette là et puis gagne feuille panan qui en or. Exactement. Mais à moi ri pas nous hein. Liberté ou la mort, ça c'est slogan qui en l'air. Donc nous gosili, nous wè gen deux lions. Bouche lion yo ouvert, y a pouiji. OK, nan mitan. Gen un coq. Coq la gade à l'ouest, la veye. Gen un branche palme en or, gen un branche laurier en or. Gen un boîte pa en bas qui recouvert d'or mais qui fait en ivoire. On va monter ni côté nous joindre que li fait en ivoire. Et puis en l'air net nous gagnons couronne. Son couronne qui fait en or et puis qui charge pièces et ça veut dire pierres précieuses sous lui. Ça c'est à moi Jean-Jacques Dessalines que vous te caché nous que nous joignons un document qui était bien caché mais qui dévoilé. Quand on demande nous qui ça chaque représenté? D'accord. Lion ça le symboliser. Coq là, ça le symbolise, palmier, ça le symbolise. Ok. Mais c'est des codes, quand même. Et des exactement. Nous allons aller dans des codes. Branche de laurier, hein? Et puis couronne de la moire impériale. Là. Ok. Ça le symbolise. Gagné lion, yo. N'après lion, yo, a pouji. Ok, yo montre que lion, yo, y a fait bouche ouverte, ça veut dire y a fait bruit. Gagné mon parti, après, il faut que nous disions dans la Bible, nous avons cité mot lion. Pour pipiti 130 fois. OK? Gen côté yo di nou que bon Dieu voit bon Dieu tant kou voit lion. Et ou te écrit ba là? OK, m'a prendre pour professeur li pour nous côté et yo parler de voit bon Dieu il rugit tant kou voit lion. OK, et avant nous rivé là parti ça, alors faut nous di moun yo a mari ça gon côté le sorti berger. OK? Desaline Badges. Fait t'as envie faire dessin et puis il fait dessin lion, il fait dessin coq, il fait dessin couronne, chaise là parce que ça regarde là, son chaise oui berger. Chaise là, quand tu vois coq là c'est dossier. En l'air c'est tête chaise là qui ont et puis à côté il y a deux lions et puis en bas on marche pied en or. OK? On regarde nous. Si on côté de Saline Jeune, et ben nous prend li berger, ça fait des dimounyo, il y a besoin Bible parce que moi li deux textes extraordinaires là pour nous savoir exactement de qui ça n'a parlé. Un roi, chapitre 10, versets 18, 19 et 20. Le roi, il a parlé là de PRG de roi Salomon, qui a construit Templien, Temple bon Dieu, en même temps avec Palais Royal. Là. Le roi fit aussi un grand trône d'ivoire et le placard d'or raffiné. Ce trône avait 6 degrés, un dossier à sommet arrondi et des bras de part et d'autre du siège. Deux lions étaient debout près des bras. Et 12 lions se tenaient de part et d'autre des 6 degrés. On n'a rien fait de semblable dans aucun royaume. 6 degrés, c'est 6 marches. 6 degrés, c'est 6 marches. Alors, remontez-moi encore Valérie pour que vous voyez. Ça, on a là, en bas, c'est. Montez-le. Ça, c'est une marche en nord côté trône. Chaise là, chita sous lit. OK, mais en bas, ça a 6 marches escalier. Il décrit que de sa ligne, pas prendre lui-même. Il va mettre là. Il juste prend une marche en nord là plus à moi. Maintenant, nous sommes Monsieur Abaïfe, Salomon Abaïfe, trône ça. Trône ça, qui c'est trône qui annonce Yeshua. Parce que Yeshua, c'est le lion, j'avais l'air de montrer là. Le lion de la tribu de Juda. Il dit chaise là, il y a 11 dossiers. Et dossier a une tête arrondie. Et il y a deux bras. Chaque bras, il y a un lion qui est à côté. Et puis, il y a, il dit pas qu'il y a un royaume, pas qu'il y a un royaume qui gagne chaise là. Ah, c'est le premier texte à vérifier. Oui. On va le voir le deuxième texte là. Deux Chroniques, chapitre 9, versets 17 à 20. Le roi fit ainsi un grand trône d'ivoire et le placard d'or raffiné. Ce trône avait 6 degrés et un marche-pied d'or, et ça, c'est sa première texte, ça va te dire, un marche-pied d'or qui lui était attaché. Des bras de part et d'autre du siège et deux lions debout près des bras. 12 lions se tenaient de part et d'autre, mais bagala, on n'a rien fait de semblable dans aucun royaume. Ça veut dire qui ça viager. Ça veut dire, à moi, ça, parce que de l'autre côté, c'est juste des salines, j'en ai dit dans le discours, elle hein? Te fait discours pour janvier. Il était annoncé, Mounio, il dit, texte de loi, m'bra le ban, nous, c'est pas moi qui parle de bain, non. C'est bon Dieu, le ciel, là, créateur, il parle dit en préambule, là, créateur, c'est l'acteur, c'est lui qui parle de dit, t'aimes, ni. Et c'est même pas la viager. Trône, ça regarde là, c'est pas dans la Bible, là, des salines, je ne dis.
c'est Desalines c'est un petit Juda. Desalines sorti la tribu Juda et royaume Haïti c'est royaume Juda. Et mais c'est ça que fait Desalines pour jeune ça, bon Dieu pour le balil, tout même j'ai pas le bal texte là, il pour le balil trône ça exactement qui trouve le kibo en dans Bible là de façon typique, de façon description correcte, description totale de qui ça, de trône que Salomon qui c'est petit David là t'es mandé pour être capable de préparer pour l'IA et c'est lui-même que Desalines lui-même pour le faire dans premier empire là qui c'est empire d'Haïti. D'accord, okay. Valérie, on ben symbole non. OK. Qui ça lui en représente? Lui en représente force exceptionnelle. Il représente force redoutable, force destructrice. Il représente courage invincible. Il représente héros comme pour Juda. M'gal ban nou exemple nan pour Juda nan Genèse 49 verset 9 à 10 côté l'a décrit Juda petit Jacob tant kou yon lion. Il dit Juda est un jeune lion. Tu reviens du courage du carnage mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Point d'interrogation. Le spectre ne s'éloigna point de Juda. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Texte ça, il dit tout ça pour le dire. Il montre carrément que Juda a toujours baligné royal et que tout peuple à travers le monde a gagné pour obéir à peuple Juda. Contrairement à ça, vous voulez faire nous comprendre que nous pas juifs, nous c'est les juifs, nous c'est vrais juifs et Desalines prouver la partie de Amoari ça que mon était caché. Et moi dit nous Amoari tellement caché à sous Google. Tapez Amoari Haïti, il a commencé ben nous Amoari à partir de Henri Christophe. Mais on pas jamais joindre Amoari ça. Si n'a joindre c'est kounya sur mon screenshot. Écran télévision et puis tout la gueule sous page c'est qu'on y en a joindre parce que tu fais en sorte pour nous pas jamais joindre. OK, lion encore on va parler nous pour lion et côté n'a parlé encore de tribu Juda parce que gen moun qui rete quoi que nous pas tribu Juda nous pas juif du tout parce que c'est pour yo c'est moun qui en Israël yo qui juif pendant m'a dit ça me songer pas songer nos président non mais gros président africain qui te dit pas jamais ka comprendre que les juifs yo té allé yo té noir les retourné au blanc donc il pas ka comprendre ki j'en fait modification ça fait rapidement donc dans Joël 3 verset 6 il dit vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem. Nous avons une distinction entre les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem parce que enfant Juda ça veut dire c'est juif yo et enfant d'Israël yo c'est l'autre tribu yo. OK. Parce que c'est quand comme des cadres, Port-au-Prince sont haïtiens, mais tout haïtien pas Port-au-Prince. Faut que nous fassions différence ça. Et il dit aux enfants de Javan afin de les éloigner de leur territoire. Nous connaît que tribu nord là et dans l'époque et les tribus étaient ensemble, té gon en disposition du territoire. Nous connait n'a joindre document ça yo, information ça au côté. Bon Dieu t'a demandé Moïse pour te faire tout peuple camper derrière bannière yo et attendez m'a bonne information et la dit dans nombre Victor Gambri nombre dans Ézéchiel attends mais avant c'est quoi que tu joindre OK l'aime joindre m'a bonne on dit exactement dans nombre 1 verset 52. C'est là dans ni bail côté pour chaque monde camper derrière bannière yo et puis té bail disposition toute tribu. Il dit à l'est mais qui est-ce qui pour là? Dedans tandis c'est tribu Juda, tribu Issachar et puis tout li té dit tout dans sud mais qui est-ce cap là au nord Dan té dans le nord tout et tout. OK? Ça c'est première partie pour lion yo. Kounya la qui ça? Laurier en symbolisé. Parce que gon palme en laurier qui là. Ni palme non. Oui. Laurier en or. Femme dit nous que tout armoire li fait en or, même Jean li était fait dans trône Salomon, OK? Origine et laurier en son plante que nous connaît
yo toujours utiliser li les n'a regarder dans film Romain yo pour faire couronne pour Jules César ou bien les moun yo qu'on aller dans compétition nous toujours ouais on met ton palme de laurier sous tête yo qui ça laurier représenter li représenter la clémence li représenter la gloire persévérance récompense bon l'autre côté qui bibel yo dit li représenter l'immortalité acquise par la victoire tout ça Dessalines te décrit li dans discours 1er janvier 1804 là. Tout entre dans discours. Li parle tout que pour gagner une branche de laurier sous tête, il faut que son génie. Effectivement, avec Jean l'armée haïtienne là t'est campé, l'armée indigène là t'est campé pour te ka bataille, c'était du génie militaire. Yo dit c'est un symbole qui est également associé pour montrer que on va couronner un empereur. Et depuis le 1er janvier, Dessalines a annoncé l'Empire d'Haïti. C'est le premier empire et c'est en prenant à couronner le 6 septembre 1804. L'autre symbole nous gagne, c'est branche palmier. Un palmier en or. Ok? Dans le palmier, il dit, dans Apocalypse 7, verset 9, sinon appelé après, il dit, une foule immense. Qui campait devant trône qui campait devant agneau et y a louangé y a secoué li y a secoué li pour yo saluer Yeshua qui sous trône. OK, mais c'est une branche lié, c'est pas un pied parmi qui yo te nous te gagne des salines te ban une branche laurier mais pas de ban un pied parmi qui sa branche palme nan représente une branche palme nan li associé avec ça relé la victoire l'espérance la gloire, la tempérance et puis la vie éternelle. Kounya la nou pral parler de un lot élément qui présent nan armoirie. C'est coq là. Voilà. Coq ça. Mettez le wou. Marie me dit li rele un coq phénix. Phénix, bon oui, mba fo nan non coq yo. OK, alors coq phénix là pour mon capitaine de yo, bah papa me te kon. Voilà, papa me te kon al bat coq, papa me te kon gen pile gros coq qualité. Et mais coq phénix son coq jaune. OK, ou jaune qui bon oui, tout coq jaune mais le petit gris. Il un petit gris d'air cool, il un petit gris en cœur, mais après ça tout coq net jaune, un coq jaune et puis qui tire sous gris. Il est le phénix. OK, ça veut dire que ça est ça fait ou après pas des salines là, son coq phénix parce que ça c'est jaune c'est l'or. Après Maria net c'est en or lié et c'est ça qui fait lui choisir couleur coq ça même qui c'est coq phénix là pour le mettre en dans Maria. Il camper son manche pied. Vous ga expliquer pour ça camper son manche pied. Alors, papa me j'aime dire non, tu qu'on a l'engagé. Les papa me pral tant que les papa me pral l'engagé là demain PRG, il toujours mettre coq là dormir. Alors, il m'a dit thème dans Jean, tu qu'on dit là, il jouquel. Jouquel veut dire, il mettait en chaise couché, il mettait le camper sous chaise pendant nuit là. Maintenant, dépendamment des gens levés le demain, Jean le coq là, campé sous chaise là, l'a connu pour la battre, l'a connu pour parler. Par exemple, papa me dit, les coq là, par exemple, il mettait le dormir, il chantait pendant toute nuit là. OK? Et puis ça dans demain les levé, je dis campé son pied. On a dit wouh, elle dit bah la chaud, elle dit c'est pour ce retour elle campé ça dit on coup de zépon en bas pied là, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est pour ça après des salines des coq là jouquer tout. Elle dit coq des salines a jouquer là même genre. OK, c'est pour ça les salines mettait dans moi. Maintenant explication va vous. OK. Yo dit que coq là li symbolisé et un jour nouveau. Songe les Yeshua te gagné, moun nou rele Jésus hein. L'el t'a pral mourir, t'a parlé avec Pierre. Pierre te dit qu'on ça la bataille pour lui. Il te dit Pierre, avant coq la chanter trois fois, ou ap gen tan renyem. Et effectivement qui ça coq fait il toujours annoncer jour coul 6 heures dans des coq la chanter ça veut dire il fait jour et bien effectivement c'est pour que ça Dessalines mette coq la représenter Dessalines qui va veiller pour faire prendre conscience côté ou te prononcer son discours pour tout héros té là yo qui té sémenté yo l'a toujours faire songer que nous té prononcer son discours pour nous toujours veiller sous bascoul jusqu'à ce que Chilo en vini. Ça m'a été soit pour nous dans Genèse 49, verset 9 à 10. OK, c'est responsabilité ça li gagne. Et il dit coq là, son bête qui courageux. Nous te joignons dans discours. Son bête qui vigilant. Son bête qui généreux. Ou après coq depuis il gagne poule,
li toujours gratter pour le bail l'autre pour li yo manger même si là avec 10 poules nan baskou là mais l'elle gratter li assure que toute poule li yo manger. OK, coq là son bête qui fier l'op garde un coq il toujours gonfler l'estomac li a virer tête li virer plume ni ouvert zèle li pour montrer exactement gen moun ki la gen mon bel bagage gon bel élément ki la li yo di que coq là son bête qui fertile parce que li pas un problème pour li procréer pour la faire petite. OK, yo di son bête qui très jaloux mais jusqu'à présent on n'a pompé petit mieux dit son mon coq. Attends, oui mais que de ça les même était toujours dit faut qu'on son bon époux un bon mari un bon père de famille un bon soldat. Ça veut dire l'on fait petit tout, faut prendre soin petit tout, faut prendre soin madame, faut qu'on monde qui responde. Et c'est ça coq la fait, prend soin famille. OK? Yo dit coq la son bête qui bienveillant parce que la veille sous baskou là. Ils sont patriotes et puis en plus son bête qui très combatif. Ou après toujours sous bataille pour défendre territoire. Et ça va l'expliquer nous pour qui ça tout. Et Dessalines mettez ça dans document ça pour nous, ça veut dire dans moi rien pour montrer que gens nous doit combatif pour territoire nous. M'bra li un texte pour nous que nous tiré dans un document qui relait les recueils de loi et des actes du gouvernement d'Haïti depuis la proclamation de son indépendance et par monsieur Lebon Despradines qui imprimé en 1886 à Paris. Nous mettons en langue haïtienne. Alors, c'était secrétaire Alexandre Pétion, Despradines. Oui. Secrétaire Pétion. OK, nous mettons pour moi montrer côté Dessalines a dit nous faut que nous défendre territoire nous tant qu'un coq. La guerre jusqu'à la mort contre sauvage, nous connait qui est-ce qui sauvage les barbares blancs. Ça c'est devise moi. Liberté, indépendance. Ça c'est réel qui pour réunir nous. Général, officier, soldat, moi pas semblé à ça qui t'est venu avant moi hein. Ak ancien général Toussaint Louverture. Moi t'es fidèle à toute promesse moi. T'es fait nous n'en prend zam contre barbarie et puis pendant longtemps moi rete yon reste souffle m'a continuer kembe sèman ça. Pa gen aucun sauvage au soit européen kap jamais mette pied au sous territoire ça comme mette. Résolution ça bral kounye ya fondation constitution nous. C'est pour l'autre chef après mieux fouiller tombe yo ak tombe ça qui pareil yo si yo ta gagné un comportement qui pas semblé dit tout ak pam nan parce que ou bras seulement acquise la loi inévitable là qui bral retirer m loin ke content libération délivrance citoyen pareil moi yo mais c'est pour moun k'ap vini après mieux. Suiv chime que moi t'ai tracé pour yo. Li se système qui pi propre pour consolider puissance yo. Li se hommage qui pi din pour yo ka salier moi, pour yo ka salier nom moi. Ça fait nan date 28 avril 1804, texte a relé proclamation relative à l'élimination des barbares français qui conspiraient contre l'empire d'Haïti. OK. Nous fin parler de coq. Nous parler qui ça couronne armoire impériale là. Ça symbolise. Exactement. Et couronne nous voit que coq là lui même c'est campé sur manche pied hein. Il pas chita sous toi non il campé sur manche pied là la veillé pour chilo. Qui chilo? Nous t'ai détendu dili chilois c'est nous t'ai lit texte pour nous déjà c'est dans Genèse 49 verset 9 à 10 là. Qui est-ce qui wa la pour qui est-ce que on ça y m'a dit. OK, attends. Alors et couronne c'est pour Yeshua. Songez Yeshua c'est lui-même qui lion tribu Juda, c'est lui-même qui étoile du matin hein?
et c'est lui-même qui Shiloh. Shiloh, c'est lui-même qui pral pour l'héritier trône. Et ça fait après la révélation 5 verset 5, il dit c'est le lion de la tribu de Juda et c'est le rejeton de David. OK? Ça veut dire que ça veut dire annoncé effectivement que royaume ça aligné Juda qui t'a bail David, qui bail Salomon, qui bail Sédécias là et texte et Genèse 49 l'a dit royaume pouvoir ça pas jamais éloigné de tribu ça berger. Entendez bien? Couronne ça, pas bâton ça, pas jamais éloigné de tribu ça jusqu'à ce que Shiloh a tourné. C'est Yeshua qui a venir retirer royaume ça dans la tribu Juda. Shiloh a symbolisé qui est ça? Yeshua. OK. Oui, moi je viens. Moukouane dans livre dit en hébreu Atara. Dans Apocalypse 14 verset 14, il dit moi gardé nan nuage blanc yo et puis moi wè yon moun ki chita ki semble avec yon moun. Li te gen sou tèt li yon couronne en or et nan men li yon épée. Donc couronne ça représente couronne Shiloh que coq là a veillé a. Et ça fait nous dire nous à li un roi. Un roi combien encore? Oh, un roi 10 19 et deux textes, oui. Avec un, deux chroniques 9. Oui, 10, 18 à 20, deux chroniques 9, verset 17 à 20. Exactement. Okay. C'est là explication à moi, Jean-Jacques Dessalines, l'Ichita. Bon, ajoute ton bagage, Valérie. Allez-y. Et nous prenons le symbole, ça a eu PRG. Valérie, ça te dit là. Symbole, ça a eu, c'est premier bagage. Deux lions, qui de part et d'autre, chaque bord, à droite, à gauche, ou lion campé. C'est comme ça, Salomon te baille, fait description, te baille, fait trône. Et ensuite coq là que Dessalines lui-même y a ajouté. Valérie so dit d'ailleurs m'a rappelé pour moun yo que nous on dit par exemple roi bête roi animaux yo relé lion. Ça dit lion symbolise la puissance, il symbolise la force. Mais sauf que coq là qui associé avec là PRG, il symbolise des qualités ça qu'on voit nous songer, yo relé coq yo généralement coq qualité. Alors, vous n'ka fait gaga relé coq gim, coq panyol. OK, elle dit peut-être les gens tellement yo méchants, mais yo gon capacité Jean Valéry se décrit tout à l'heure, les coq là dans basse cour la piéger. Il pas seulement lion lui-même là pour puissance, pour force là, mais coq là lui-même il là pour tout reste yo. Tout reste yo c'est ça qui rapport leadership yo piéger. Qui ça yo, qualité ça yo. Coq là patient. OK? Coq là c'est généreux. Coq là la défendre, l'elle camper dans basse cour la piéger par exemple la Camry piéger papa me te connait j'aime toujours la guerre. Si gon coq qui sont de l'autre côté, qui entre depuis l'entrée devant porte là, coq papa m'a demandé le sale pour vendre. Parce que Boïsia, c'est territoire pâle. C'est territoire, ça, c'est territoire pâle. Tout fik là, là, quoi. C'est madame ni. Par conséquent, pas qu'un nègre saute de l'autre côté qui vient pour madame ni. Pas qu'un nègre saute de l'autre côté qui vient battre petit li. Par conséquent, ça l'a fait, la gouma avant jusqu'à ce qu'il tue. Et bien, c'est pour ça, il dit ça, il dit ça. Valérie saute li à là. Ak que de saline te prend pour te éliminer français. Yo. Et là, d'un côté de saline, t'as montré effectivement que c'est coq là. Il dit nous gagnons comme responsabilité pour nous faire ça. Pour nous empêcher l'autre monde vient Boïsia quand nous mettons. Pour n'empêcher l'autre monde vinn boy ici à l'autre étranger faut n'empêcher vinn là tant propriétaire yo pas gain droit ça du tout et monsieur même dit si autrement que vinn là nous quitter route ça que me tracer pour nous nous ta d'accord pour vinn propriétaire terre bon ici j'ai dit nous mettre fouiller tombe nous mettre fouiller trou nous mettre fouiller tout monde qui dans pays parce que on va le mettre dehors ou bien tuer nous tout yo prend yo parce que c'est exactement ça fait les barbares ça dit les animaux en créole. Maintenant l'autre qualité qu'on la gagner c'est qui ça ni modéré. OK, alors Dessalines ça fait un discours, Dessalines t'a parlé de généreux comme des hommes précieux. La parlé de généreux comme des hommes intrépides, quoi que la intrépide. La parlé de généreux Jean Valéry se dit là comme des hommes fiers parce que quoi que la fière en pile, les bordel, Chelbert, tout ap taille banda. Dévouement, OK, et généreux comme des dévoués. La parlé de peuple là qu'on y a comme des monde constant, comme ça constant mes amis. Constant veut dire c'est monde qui pas changer d'opinion. Qui a fait la lose. Qui a fait la lose. Dessalines côté dans texte, il dit algo opinion de mes gens. Demain l'autre. Dessalines dit, attendez. Moun sa yo la pa la peuple dit nous même c'est sous constance nous m'te camper nous camper sous constance pour me défendre liberté si c'est pas de constance nous pas ta défendre liberté ça dit si peuple tap la lose dans période de Salines j'allais dire en tant que leader pas ta défendre liberté ya. Et c'est exactement ça coq la constant et coq la Jean Valéry te dit là il courageux en fait coq la c'est quoi coq la gagne toute qualité PRG que un leader gagne il gagne vision et il gagne toute l'autre qualité nous autres dit là au plus associé avec la puissance du lion et c'est ça qui fait de nous. C'est ça qui t'a fait de Dessalines avec tout le monde qui était avec yo. Ça y était hier. Ça dit des monde qui pas des monde qui ca battre. Pas des monde qui ca battre yo parce que c'est à la fois la puissance du lion et
courage, intrépidité et générosité de Kokla lui-même qui l'a veillé sur le royaume. Et Femme Fonti rappelle tout, et avant même le tremblement de terre, j'ai gampi l'édifice haïtien, et par exemple l'ancien palais de justice. Palais de justice de Port-au-Prince, voilà. Exactement. Deux lions. Deux lions. Une à droite, une à gauche. Ça devait dire, même personne ne va comprendre. Personne ne va comprendre. Parce que les documents, ça y est, ils sont sérieux. Je n'ai pas dit ça, et puis je viens faire allusion avec ça. Exact. Et une pharmacie chevalier aussi, sous grand route, c'est bon, lion sous tête. Ok. Ah ben, et nous allons observer la première pause là. Et mais faut nous tout annoncer vendredi prochain encore. Et n'a pas obligé recevoir nous parce que nous n'avons pas de temps et fin développer sujet parce que c'est un sujet qui est très vaste. Et donc nous tout annoncer vendredi, m'a bien nous pour nous capable bah, plus de détails et sur sujet ça. Ok. Et puis nous allons observer la première pause commerciale. On retourne après la pause. Nous allons regarder ensemble avec Valérie et puis Gustave rapport qui gagnait entre t'as dit coq officieux, ouais m'a dit officiel coq officieux qui n'a drapeau français parce que drapeau français a grand coq officieux tout avec ça qui gagnait non et armoirie impériale Jean-Jacques Dessalines. Yes. Nous allons regarder qui rapport qui gagne et puis les nous tourner tout nous allons regarder et ça m'a relé et un certain rapport entre l'armoirie d'Haïti et puis l'emblème de la tribu de Juda. Yes. Nous allons regarder armoirie et puis emblème tribu de Juda. Nous allons voir ce que vous semblez. Et puis, il y a un ensemble de questions nous pour nous poser. Ça fait me dire, il y a une deuxième partie de l'émission NAPTO programmée pour vendredi prochain. Et bien, merci de votre fidélité. Merci de choisir Blocus, votre émission de formation, d'information et d'éducation. Eh bien, c'est l'heure de la pause commerciale. Ne zappez pas, on va retourner tout de suite après. Pour le. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. N'a pas rappelé à suivre Blocus, votre émission de prédilection. Jeudi, on a Université Noire, dans le Temple du Savoir Noir. Nous gagnons deux grands invités. Et tout d'abord, nous gagnons l'historien et Jean-Victor Gustave. Et puis, nous gagnons l'entrepreneur et Valérie Gustave avec eux. Bien entendu, n'a pas agité un ensemble de questions. Parmi elles, parmi ces questions, je cite, et qu'est-ce qu'une armoirie? Quelle est la nature de la vraie armoirie d'Haïti? Et que symbolisent les lions, le coq, la branche de palmier, la branche de laurier et la couronne de l'armoirie impériale? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'armoirie impériale d'Haïti et l'emblème de la tribu de Juda? Autant d'éléments, et Jodian n'a pas agité dans le débat, n'a fait là Jodian. Et bien, nous annoncer que vendredi prochain, on apprend deuxième partie, deuxième séquence émission, toujours en rapport avec sujet ça. Et puis, par anticipation, souhaiter déjà, d'ores et déjà, et bonne fête, bon anniversaire à Valérie et Gustave, invité de Gainjoudian, puisque les fêtes non jour, un grand jour, c'était un mardi 13 avril. Donc, déjà, Valérie, nous disons bonne fête. Kembe fait moi besoin de me dire et Gustave. Oui, joyeux anniversaire à toi Vavoun. Merci. Dire les Vavoun toi mais oui, bon nous. Anniversaire à toi Vavoun. Merci. Ça sont tissu non, oui, ça ou madame Vavoun. Hein? Yeah. OK, bonne fête et puis m'espérer que monsieur tout ça bon tout ça positif yo. Monsieur tour continuer faire recherche davantage et pour besoin santé, au besoin cob dans pays ça et cetera, au besoin faire réaliser l'autre exploit. Merci, moi se vois tout. D'accord. Et bien, on continue à débat et nous allons regarder et l'autre aspect que nous pouvons commenter. Et d'ailleurs, mais qu'on est grand coq d'après toute recherche, me fait personnellement, nous toujours alors pas officiel non, un coq officieux que moi et notre drapeau français. Est-ce que nous et comparer li à ça qui officiel dans armoirie et Jean-Jacques Dessalines parce que dans armoirie Jean-Jacques Dessalines les mêmes gon coq officiel. Oui. Qui rapport qui gagne? OK, alors moi mes questions ça vient.
question ça n'a pas tourné sur origine document ça qui caché là. Ouais, document tout tout à l'heure Pierre. Il caché un pays et pays ça pas l'autre pays que la France. Ou après il mettait l'archivio ministère des affaires étrangères République de France. Document ça caché. Et nous montre nous comment c'est montrer mounio exactement pour qui ça document ça caché. Document ça caché c'est juste pour yo dire nous PRG que nous c'est africain. OK? C'est juste pour dire nous qu'il tinse vaudou. OK? Et vous ça yo caché lui PRG. Yo caché parce que si nous découvrir et de fait nous découvrir qu'il y a et avec sagesse, avec grandeur et créateur, créateur après le voyer nous Valérie dans texte deux textes même cité tout à l'heure dans roi avec chronique qui montre exactement description trône ça qui c'est trône de Saline pour le décrire même pour le prendre comme amoirien et mais description ça c'est dans tribu Juda c'est David alors c'est Salomon petit garçon David qui était construit temple c'est lui même qui était dé qui était bail fait trône dans Jean était fait Jean de Saline fait là pour montrer qui ça PRG pour montrer effectivement que Jean de Saline était montré dans allégorie 1804 là trompette là rappelez que c'est juif parce que fait trompette c'est là au couronner royo lion c'est symbole puissance tribu Juda qui c'est royaume Israël là et mais avec deux bols en sang yo mettez yo ce qui montre effectivement élément ça yo montre contrairement à moun qui pensait que de Saline c'est vodouisan yo moi regrette dit nous ça m'a habitué dit ça déjà je dis à nous que preuve là de Saline pas de vodouisan s'il vous plaît de Saline c'est on dit héritier de la tribu de Juda et c'est ça qui fait trône royaume ça qui vient Haïti a d'ailleurs m'expliquer nous déjà ici a m'te dit nous commencement l'humanité commencé à l'est nous commencer à l'humanité commencé à l'est nous songe premier ça m'était fait sur premier événement alors émission sur spiritualité à Pierre je songe nous te dit l'humanité commencé à l'est la fini à l'ouest c'est que la boucle Haïti parce que trône ça songe Valéry saute dans Genèse 49 il dit spec là bâton qui symbolise pouvoir royaume ça il pas jamais éloigné de tribu Juda jusqu'à ce que moun kap vinn pou vinn prendre royaume ça berger c'est ap Yeshua. Comprenez bien? Maintenant, gon équipe type c'est là gen quelqu'un qui s'est posé un berger avant me répondre oui. Gen des moun qui a dit mais nous on a un gros problème. Pour qui ça? Depuis 217 ans, nous lance nia pendant que moi dit royaume ça c'est Yeshua qui vinn prendre l'emmène nous. Le royaume ça c'est l'emmène ni parce que Saline c'était introduit après l'indépendance. Et ben gon texte berger moi li pour moun yo. Texte à lire Ézéchiel chapitre 19 verset 5 à 9. Mais m'a pas lu tout, m'a commencé à partir de verset 7 là. Il démolit, il là c'est le lion. Il démolit leur palais, ça dit lion a démoli palais yo. Ils détruisent leur ville, le pays et ses habitants furent consternés au bout de son rugissement. Verset 8, on dressera contre lui les nations, les provinces environnantes, elles étendirent sur lui leur filet, il fut pris dans leur fosse. Verset 9. Avec des crocs, ils le mirent en cage, ils le menèrent au roi de Babylone, ils le menèrent dans les lieux escarpés pour qu'on n'entendît plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Texte a traduit qui ça? Lion ça qui symbolise Juda, il y a tellement de problèmes dans la zone Proche-Orient PRG, il y a des problèmes. Chaque fois que pays dans la zone attaque, il réagit toujours de façon agressive parce que Juda sont lion. Et lui c'est lui-même qui chef tribu, c'est lui qui chef dans sacré les jungle. OK? Et mais l'autre pays attaque Juda et Israël et Juda réagit et il réagit violemment. Et il dit Ézéchiel, tu que t'as dit, yo t'a bien pour yo mettre filet sous lui, yo t'a prendre dans piège, yo t'a mettre filet sous lui, yo t'a pral venni by royaume qui est le royaume Babylone yo. C'est-à-dire les pays occidentaux, là, y compris la France, l'Angleterre, l'Espagne, OK, tout ça connecté dans le mouvement créé mouvement captivité ou ça y aurait l'esclavage là eux-mêmes. Et ben il décrit que lion ça t'a bien pour le sortir en Israël, il t'a mettre dans cage, il t'a mettre dans bateau et il t'a mené qui bon dans une zone qui très montagneuse. Pour montrer qui ça. Effectivement, nous bon ici a tribu ça vient bon ici a parce que la Bible dit que t'a annoncé, c'était une prophétie que nous t'a bien pour nous tomber dans zone ça. Effectivement, Haïti son pays montagneux. Effectivement, Haïti son pays montagneux. Mais pour que ça t'a fait ça, il dit pas de tendre rugissement lion dans zone Israël encore. Et mais qu'il y a les bon ici qu'il y a la prouji qu'on y a, mais Lyon PRG, contrairement à ça, tout le monde pensait Lyon a campé. Lyon a campé parce que ça fait toujours dire Mounio, nous la période côté Haïti a pleuvé, Haïti levé déjà après fête là. Et qui t'aime dire Mounio PRG, pour ne pas oublier, on dit là un document PRG. Document ça vient exactement après l'infini fête, fête Pâques, nous t'a annoncé là, et fête 7 jours pour s'en lever. Après ça, il t'a montré, effectivement, t'a montré, et moi-même, et Valérie, et on l'autre dame qui t'a fête Pâques là, qui était Boston, il t'a montré effectivement que ça, nous jouons là, nous t'a joué.
Ça veut dire que ça Haïti libéré après Pâques là et ça fait document ça sorti. Document ça c'est clé pour tout l'autre document qui va sortir au VRG. Qui te m'annonce à tout le monde qui a un document Haïti dans main yo. Tout le monde qui a un document Haïti dans main yo, yo gagne un seul choix. Ou mettre document yo. Tu as volé tout bail ça. Tu reçois pour ça. On va dou pour ça VRG. M'écris lui. Le texte là, un petit texte tout petit tout coûte, moi li. Et c'est un nombre 24:9. Alors il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, c'est-à-dire à l'air d'Israël, à part les tribus de Juda, qui le fera lever. Et puis il y a un texte en bas dit, béni soit qui le bénit et maudit qui le maudit. Ça veut dire qui ça? Avertissement. Tant punition a fini, maintenant tout le monde qui bénit cette tribu ça juif yo, y a béni. Et même les dit tout le monde qui maudit tribu ça a maudit, ça veut dire ça. Tout le monde qui était maudit Haïti yo, des pays comme la France, pays comme les États-Unis et consort Canada, eh ben yo gen intérêt pour yo porter tourner tout ça clamé yo parce que moment arrivé côté le campé, mais faut yo porter tourner tout document clamé yo, tout net ça manque youn parce que Haïti besoin yo, parce que déjà qu'on a tout le monde peut-être qui ont habitué de parler de constitution 1805 yo, y a comprendre. Pour qui ça? Parce que royaume ça l'a tourné. OK? Pendant yo ça dit ni spec là, pas jamais sorti là tribu Juda. Ça dit même si ou nèg te vinn avec république là pour te remplacer royaume dans PRG, royaume n'a tourné parce que c'est ça créateur a voulu. Il dit non, c'est héritier David, non c'est héritier royaume ça qui c'est Juda. Et mais royaume n'a tourné jusqu'à ce que c'est nous qui veiller sur lui, jusqu'à ce que Shiloh avec Yeshua n'a pas pour le prendre, c'est lui seulement qui cap prendre la main. D'accord, bon pose question ça, on dit Valérie qui répond nous bien ou même. Et nous avons mon analyse armoire impériale d'Haïtien et puis avec analyse pour faire analyse pour nous de emblème tribu de Juda pour moi si vous semblez. Allez. On va faire ça Valérie. OK, armoire armoire impériale là impériale avec emblème là, tribu Juda. Emblème non, pour moi garder rapport. Quel rapport qui gagne? OK. Pour moi si vous gagne point commun. OK. Avant tout moi voulais montrer nos documents ça. OK. Nous songeons que m'te dit non non nombre, yo t'a montré que Adonai te mande Moïse pour te faire toute tribu camper derrière bannière, ça veut dire derrière et drapeau yo. OK? On touche vous nous. Mais tout drapeau Ruben, Simeon, Lévi, Dan, Juda. Juda, ouais, mettez sous les Juda, n'a pas toi pour qui ça? N'a pas mal gagné noyau aujourd'hui. Naphtali. Naphtali. Issachar. Issachar, Gad, Asher. Joseph, Zébulon et puis Benjamin. Et notre drapeau noir et rouge, c'est Juda. Nous voyons noir et rouge, et puis le petit bon lettre vert là-dedans. Qui ça nous voit là-dedans? Nous voyons étoile en or. Quand y a l'ambre à montrer nous, Mounio dit nous qui. Ok. Mais ni sous pigou plan. Mais drapeau tribu Juda. Puis j'ai demandé noir et rouge là-dedans. Oui. Ok. Non, c'est ça. Tiens, attention, curieux. Oui. Ok. Mais par contre, nous quand un drapeau comme ça, pas vrai? Mais vélo. Nous quand on a drapeau ça et puis on dit nous c'est eux-mêmes qui? Juif yo. Ah c'est drapeau Israël. Monsieur Créle était un juif qui en oui, Palestine gounia. OK. Bien gardé, dit bien gardé Valérie. Bien gardé oui. Nous wè li gagner et étoile là qui aurait l'étoile de David là, la donne. Et puis bon pose question à vous. Est-ce que moun yo k'ap gardé ou elle semble avec une drapeau là? Oui. Ndame yo gardé pour quoi comprendre ça? Non. Non. Est-ce que nous on drapeau couleur ça? Est-ce que ça assemblé avec Union ça yo? N'a pas ouais? Ouais, gardez bien. Est-ce que nous on drapeau qui couleur? Drapeau bon monde yo dit qui Israël, qui juif. Alors, j'imagine ton bagage et va bon. Seul drapeau gain deux drapeaux bleu. Fond yo c'est bleu. Fond yo c'est bleu. Qu'on a regardé ça, on fait regarder ça qu'on y va bon. OK. Ça lui même, c'est ça notre cas qui semble avec, mais sauf que lui même ça fond c'est blanc, il juste gain deux traits bleus. Il dit pas qu'aucun drapeau, dans 12 drapeaux, ça qui semble ça. Et drapeau qui gagne, seul drapeau qui gagne étoile là là-dedans, c'est drapeau Juda. Drapeau Juda. Et ses couleurs là, c'est noir, rouge avec vert. Yes. OK? Ça il dit quoi pour dire, il gagne t'a interpellé Panso. Bien content l'interpellé Panso. On va répondre à une question pour monde qui dit aurait les juifs yo. Va l'inviter nous à lire Révélation 2 ou bien ça relé Apocalypse 2 verset 9. Dans le texte, elle dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Dans Apocalypse 3, verset 9, il dit,
Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Grand pile monde qui dit que yo pas connaît, yo pas d'accord que yo juif parce que travail la fait depuis longtemps. Pour yo mettre dans tête nous que juif yo c'est blanc royé. Juif yo pas de jambe blanc. Yeshua qui sorti dans tribu Juda qui c'est l'étoile du matin, qui c'est lion de la tribu de Juda, les a montré, a fait description dans Bible, dans livre Révélation, dans Apocalypse 1 verset 14 à 16. M pa pli tout nom ap yon pati la dan. Li di nan verset 15 an, pi el te klere, tan kou kouiv. Yo poli apre yo fin chofel nan foj. Nou kon kouiv pa ni blan, ni noa. Ni noa. Ni maron. Koule haïtien, koule nou menm nou. Donc se swa blan ou bon noa. Donc si Yeshua ki sorti nan tribu Juda, côté nous sort montre drapeau à son drapeau noir et rouge et vert, il gagne étoile la donne, il gagne étoile de David là. La donne comment nous ca faire comprendre que drapeau bleu et blanc ça c'est drapeau et comment relé drapeau vrai juif yo. M'a dit nous pas drapeau vrai juif yo parce que m'dal font recherche sur lui. Gon monsieur qui relé Théodore Herz, c'est lui même qui visionnaire l'état juif là. Non livre li écrit qui est l'état juif en 1896, il dit que yo te besoin drapeau juste pour ka diriger foule yo. Ça veut dire son une question politique. Il dit mais qui j'ai pour dessiner drapeau. Moun ki di yo juif yo parce que te besoin tourner en Israël parce que te gon congrès que t'a bra le fait. Il dit n'a pas ni mettre un fond blanc de bande bleu par rapport avec talit. Quand ça talit là, c'est toile yo qu'on met sous tête pour la prière. OK, mais chaque tribu te gen couleur talit yo qui te gen des rapports parfois avec couleur bannière yo. Et bien il t'a mette 7 étoiles là-dedans qui représentait 7 heures de travail que juif yo toujours fourni par journée. Mais voilà que nan jour pour faire congrès à jour barré yo, yo pas monsieur t'es pas là avec assistant qui rele David Wolf Shawn. L'élu dit comme ça al dégager pour préparer congrès qui t'a fait à Prague. Monsieur dit l'elle aller à balle, les dit l'elle rivé l'année dit prend talit là met ton étoile nan mitan li parce que c'est ça nous seulement besoin pour nous représentatifs parce qu'il a demandé nous pour nous grand drapeau et si on demande nous explication sur lui dit c'est juste une question politique que lié juste dire c'est deux mots sur toile et puis mettez sous tête un mât et puis juste drapeau c'est comme ça monsieur te comprendre ni c'est comme ça de comprendre ça pas aucun rapport avec aucun tribu. Or tribu était déjà charrié ni symbole ni emblème ni couleur bannière. Donc pour me dire nous l'ordre des salines définie dit dans constitution les couleurs sont noir et rouge afin n'a dit que et drapeau Haïti c'est drapeau bleu et rouge. Professeur Gustave qui t'a fait recherche là pour nous il t'a montré nous c'est dans constitution 30 décembre 1843 que ont été officialisé drapeau bleu blanc rouge. M'a dit drapeau bleu et rouge, m'a dit drapeau bleu blanc rouge là dans article 192 dans disposition générale et ça là dans tout ont été tout ban nous ça qui relé à moari qui gagne les hommes de la République là donne. Il dit les couleurs nationales sont bleu et rouge placées horizontalement. Les hommes de la République sont le palmiste surmonté du bonnet de la liberté et orné d'un trophée d'homme avec la légende l'union fait la force. OK, qui te m'ajoute ton bagage Pierre, j'ai pour tourner notre drapeau ça. Et monter pour moi, faut monter le vraiment goa, ça goa. Qui est-ce là? Drapeau Juda. Juda. Il est là. OK, on monter yo. Nous va louer alors. Armoire ça, ça c'est étoile là. Alors, Valérie saute l'Italie à Vierge. Alors, pour public là, ils sont montrer nous que Yeshua, mon nom est Jésus, Yeshua, il est à la fois étoile là et il est à la fois lion tribu Juda. Comprenez bien? Quand l'Apocalypse dit il est l'étoile du matin et en même temps il est le lion de la tribu de Juda. Après, étoile là c'est lui-même qui était sous qui était con sous bouclier David là. Étoile là c'est lui David qui était sous bouclier, c'était Amoari, David était utilisé lui-même dans le royaume là. De Saline lui-même ça l'utilisait encore Yeshua, c'est Yeshua qui était étoile là. Même je connais dans le drapeau pas nous, c'est encore Yeshua Amoari mais sauf que là ça il est lion.
C'est-à-dire les lions qui c'est puissance qui a veillé sur couronne avec coq là en bas tout qui a veillé qui a pris n'importe ça arrivé qu'on a pour le café lion qu'on est pour lion qui a fait ça pour le faire. Comprenez bien. Mm-hmm. Pour moi ça c'est deuxième raison monsieur dame haïtien extraordinaire mieux captain de nous qui montre effectivement que Dessalines c'était Juda, tribu Juda. Oui. Pour qui ça? Mm-hmm. Parce que si on regarde encore et Bavoun, si on regarde côté te montrer bail vert là. Vous songez? Pas ça, pas ça. Côté te montrer pièce archéologique là. Ah OK. Pièce archéologique là. N'a pas yo fait pièce à remonter encore. Pièce ça monté, après couleur ça c'est vert. OK, yo met pièce ça sous vert là. Ça dit l'entente plan yo te qu'on utilise tout ça utilisé sous couleur vert. Alors, côté tribu Juda, Juda met tout ça le fait honnête sous vert là. C'est ça qu'on après mettre vert là dans drapeau Juda. Ça des salines qu'on a mis moi pour pièce on saute montre là, pièce ça gain qui ça la donne, li gain à Maria li monter sous qui ça son fond vert. Et ça qu'on après vert là dans drapeau. Des salines pas mettre dans drapeau noir et rouge là, mais le mettre le béni. C'est une garde fond, n'a pas gardé fond, n'a pas gardé un vert pâle en bas ça. De sa ligne pas mettre vert là, l'endroit pour même Juda, il met vert là en bas à moi. Pour monter qui ça, c'est exactement même drapeau de Juda, il doit changer étoile là. Un, et Lyon, il prend le parti Lyon lui-même, entre nous, et puis on a le conservé même drapeau qui c'est drapeau Juda. D'accord, on y a la question, dernière question, et parce que nous allons commencer à se rappeler, pour qui ça nous mettait de côté à moi impérial là, et puis Jodian, c'est. Da capable dire moi qui en rapport avec les armes de la République nous pas utilisé. OK, intéressant. Comme question Pierre. Et puis avant répondre, n'a toi annoncer dans quatre prochaines émissions nous, n'a bien pour nous parler de qui ça et le palmiste et le bonnet li symbolisé. Pourquoi ce symbolisme, d'où vient cette phrase qui explique que devise là, n'a pas le pour nous rapport entre le palmiste et notre origine spirituelle, toute question ça yo, c'est dans prochaine émission Blocus vendredi prochain n'a bien pour nous aborder là avec deux invités nous. On allez. Oui, question c'était quoi encore? Question me demande et pour qui ça aujourd'hui nous mettons de côté. OK. Armoirie et impérial là et puis c'est aujourd'hui c'est les armes de la République. N'a pas garder ça armoirie ça aujourd'hui moi je parler de lui. Question en Saint-PRG. Listen pour qui ça? Parce que pas de monde qui te connaît ça, même si pas de monde, les gens qui voient l'information, ça va nous, hein? Pas de quelqu'un d'autre qui te connaît. Comment tu vas le faire utiliser si tu ne te connais pas? D'ailleurs, les gens qui te touillent de sa ligne, c'est qui est sûr? C'était les partisans de la France. Et ça fait deuxième émission, pas intéressant. Ils vont montrer exactement contre la République, pas nous en sorti. Parce que c'est la France qui mettait avec Pétion et l'autre nègre qui touillent de sa ligne. Pour qui ça? Pour yot. Parce que nous n'avons pas digéré la question de la tribu Juda à VRG. Nous n'avons pas digéré que nous sortions de la tribu Juda, nous c'est roi. Maintenant, comment nous avons digéré ça? Nous fait complot entre Pétion, politicien, monsieur qui représente l'église, ok, la période là, et la France. Maintenant, nous allons mourir, nous cacher toute information, et puis nous allons venir avec fameux fameux bagaille les âmes de la République. Là. Mais quand il est venu, VRG? Il est venu exactement dans la constitution 1843. Disposition générale, article 192. Ok, il est ça pour officialiser les âmes de la République. Ça n'est pas palmiste là. Ok, tandis que nous sommes montrés là avant même 1804, avant 1804, parce que yo fait, monsieur yo fait et présentation ou bien et proclamation au 1er janvier. Songez 10 novembre, nous battons l'armée Napoléon, monsieur était allé le 20. Ça dit depuis après nous fin battre yoa de saline te gen temps fait toute bagaille honnête ça dit drapeau te gen temps là et ça faut après pupitre là te gagné à moi souli dans mur te gagné à moi ça toute bagaille te gen temps préparé ça dit mais ça qui à moi rien mais ça drapeau et jodi a yo caché information yo raison simple pas l'autre raison lié nos berger tout monde attendait yo pas pour sans raison non yo caché parce que pas de nous quitter tout temps même te qu'on a dit nous ça nous pas comprendre tout temps nous a parlé de identité haïtienne côté nous sorti. Qui est-ce nous y est? Eh bien, je dis, nous connais qui est-ce nous y est, nous sommes tribu royal. Je dis, nous connais qui nous est à moi, impérial là. Et je dis nous ça déjà, et je commence à dire nous, la tournée, que nous sommes contents, que nous sommes pas contents, parce que je dis à lui en campé. On peut saluer en campé, bien, j'ai montré ça. Il est venu à la net, va-vous, il est venu à la net. Dimitri? Non, Dimitri a fait ça. Oui, vous êtes parlé, Oui. Et si on regarde la pouégon ou dame la VRG, y a le Marianne en France. La République. La République française. Et puis y a le Lyon en VRG. Mais Lyon en papier, Marianne. Lyon en papier, Marianne. Ça veut dire ça? C'est un bagage allégorique, mais qui est très mystique. Côté ça, y a fait. Y a fait une détruite. Comme si, tentative de détruire un pire là. Et puis on trouve que la République a campé sous dos Lyon, a dit Lyon a couché. Lyon a terre. Et ça fait un texte sur l'italien, y a dit Lyon a couché. Qui est le monde qui a fait Lyon levé? Et nous avons dit nous déjà, y a montré que Lyon a campé. Maintenant, le fait que lui a campé. C'est chinois qui a pas le faire. Non, exactement. Maintenant, quand lui a campé,
li on pral commencer goumer à tout monde qui te met pied sous li yo et qui me fait mal pour yo et so regarde la Pierre on t'aille on serpent serpent marie deux pieds et puis le coucher puis dame nan met pied sous li mais qui te me dit nous pour la pour la vérité dame ça ouais mettez yo le Marianne Berger mais en réalité le monde mystique la Marianne non le relé on comment le relé yo le alors not yo le Notre Dame leur dame pas pas dame pam OK c'est lui qui le Notre Dame là sous plan mystique qui met pied sous do lion. Comment mais lion c'est qui est? C'est nous-mêmes, c'est Judas, c'est Haïti, c'est dès que fait des gros mystiques et ouais serpent, mais serpent mettez si ta kuna va aller ou mettez déposer ça va vous montrer ça. Voilà. Donc ça arrive c'est dame. Ça c'est symbole royauté française là. Ouais ça remettez. Ouais ça lié. On comment les salamandres? Un salamandre. Son reptile. OK? Ça c'est symbole oui sous l'empire. Ou ça mettait un couronne sous tête, un reptile. Reptile, ça avec Marie-Pierre Lyon, Henri Berger. Il montre la France, qui c'est petit serpent. D'ailleurs, Genèse 3:15 dit, nous allons mettre division entre petit serpent et petite femme. Yon a piqué l'autre là, dans le talon, et l'autre a pas le gaz de tête. C'est bataille. C'est bataille, ça a fait tout plein micro entre Haïti. Ouais, Meni. Serpent Marie-Lyon, je vois le dit, il va piquer dans le talon, il Marie-Lyon. Et la Bible a annoncé que Lyon a pour gaz de tête serpent. Et le ça lui on va le camper et j'aime dire non dit ça déjà lui on camper déjà c'est pas ranger con parce que lui a privé sur nous OK Berger yeah. Et raison simple c'est pour ça exactement yo pas d'accord que haïtien te connu qui est sérieux comme on annonce Berger bien content dans prochaine émission on va le montrer côté bagaille ça a sorti crélé à Moari et les âmes de la République là qui elle paraît nous montrer qui elle paraît et tout ça veut dire et qui ça caché d'elle OK et qui en passant Berger on va aller gain on invite au te gain la dernièrement et puis on te demande et tu qui ce drapeau il me dit oui drapeau assez c'est bleu rouge je me dis oui noir c'est symboliser la mort alors là le drapeau Judas alors c'est pas faute non Berger nous connais c'est ça yo enseigner moun yo c'est ça éducation yo yé yo fait quoi l'en blanc comme ça et si un monde noir et puis il déclare que noir c'est la mort ou elle pas trop comme ça l'a dit c'est couleur c'est noir et pour dire noir c'est la mort ça veut dire ou c'est la mort tandis que drapeau Judas c'est noir fond c'est noir OK messieurs dames c'est pas faute nous faire répéter yo c'est parce que moun yo fait répéter je dis à nous connait qui est nous nous connait côté sorti nous connait pas dit bagaille ça encore avant qu'on la chante trois fois nous dit la France remettre Cléa d'accord et bien sans transition nous allons commencer à recevoir appel auditeurs téléspectateurs à internautes nous yo et d'après rappeler jeudi nous gain deux invités dans blocus c'est l'historien Jean-Victor Gustave et puis l'entrepreneur Valérie Gustave. Nous allons commencer à recevoir appel 38 47 82 20. Valérie, tu as de quoi noter? Oui. OK, d'accord. Et 38 47 82 20, 40 33 et 40 33 95 63. On a toujours des amis, baissez volume radio, acte télévision, clacaillou à pour nous, s'il vous plaît. On a pour un premier appel. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, félicite Michel, moi aussi, félicite Pierre-Richard. Et bien, invité, je suis en captation. Je suis venu au but de m'être bien même. Je suis ça bien, très bien. Merci. Je ne vais pas plus loin. Bon, musique nègre, français au chanté, qui est les musiques nègres. Je suis venu à la musique nègre. Je suis venu à la musique là. Toujours, je suis venu à la musique nègre. Lido, Haïti, c'est royaume Africa. Et nous, nous parlons pour vous, c'est la vérité. Nous parlons pour vous, Haïti, c'est le royaume Africa. Votre tout à l'heure, vous voulez faire payer, vous voulez détruire nous, je ne suis pas capable, parce que les promesses que vous êtes noir, il faut qu'ils exécutent. Si vous voulez ça, faites. Pour tout ça, qui vous êtes noir, il faut qu'ils fassent. Juste question d'âme, est-ce que vous avez le courage pour mener une bataille à pour quitter les chefs politiques? Mais vous avez le courage pour mener une bataille à tout le monde a pu mener, c'est qu'on est à l'eau. C'est question d'âme. Merci en pile pour la participation dans le blocus. Vous entendez, va vous aller. D'accord. Et on appelle, continue, merci en pile. Et on apprend l'autre appel. Et Saül. Et 38 47 82 20 40 33 95 63, on va suivre votre émission de prédilection Blocus. On va le prendre, deuxième appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est vous le radio, Jean-Saboune Saül.
baisser volume radio qui la caillou ou bien télévision en même pour me ca recevoir. On aller. OK? Parce que Yeshua c'est Jésus-Christ. Parce que Yeshua c'est Jésus-Christ tellement tu es chanceux. Merci en pile pour participation dans Blocus. Et n'apprend l'autre appel, n'apprend le Blocus est diffusé du lundi au vendredi de 4h à 6h p.m. N'apprend aux amis en ligne. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir mon frère. Non, salut tout le panel là. Salut au tout. Salut. Question ma pose, s'il vous plaît. Salut, à Pierre, j'ai dit ça de outils pour mon yo. C'est différent entre coq qui n'a de la peau impériale là et coq qui n'a la face là. M'attendez au bail dans tout ça. D'accord. Ok. Et puis, maintenant, je suis dit, est-ce que c'est mon yo à caïman? Est-ce que c'est un Dieu de la justice? Est-ce que ça va reprendre votre dernière phase? Est-ce que vous avez dit que vous est-ce qu'il vient de la tribu de Judas? Est-ce qu'il sorti dans la tribu de Judas? C'est ça, ok. Okay. Merci en pile pour participation dans Blocus. On a continué à recevoir l'autre appel et puis on a tout rappelé que dans fin mois, et n'a bien pour bail mon cash à zami nou hein. OK zami qui besoin de mon cash yo Blocus pral ba nou mon cash. N'a bon zami en ligne. Bonsoir zami sa poko près ça. Oui bonsoir. Oui baissez volume dans clacaio pour nous. OK on aller. OK donc m'ta m'mande invité à pour moi Pierre G. Comme il était dit que yo dit que lion a campé mais qu'on est est-ce que son esprit qui dit ça ou du moins c'est pas recherche pas le tout mais plan scientifique que lui comme ça. Très belle question, merci en pile pour participation dans Blocus. Nous va prendre seulement trois derniers appels. Moi c'est si me prend trois seulement là suffit pour nous pour nous temps pour élaborer pas vrai. Oui. N'a prend seulement trois derniers appels et à Blocus c'est 38 47 82 20 40 33 95 63. Bonsoir. Parlez on tient plus fort, parlez plus fort. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Zamim. Zamim, vous parlez très bas, moi je parle très fort. Vous parlez bien fort. Nous perdons Zamim ça malheureusement parce que nous battons des amis très bien. N'a pas l'autre Zamim, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Zamim. Et moi je remercie que d'abord pour l'émission. Et question femme là. Et moi tant même qu'on est que force qui débat indépendance est-ce que c'est même force ça que David est dans la mer rouge et dans la mer rouge David avec Goliath l'elle t'a battu à Goliath. Oui. exactement d'accord ok merci exactement. Je vais toujours parler de étoile de David étoile de David ok exactement. D'accord, merci en pile pour participation à Blocus. Et puis, n'apprend le dernier appel à Blocus. N'apprend le dernier appel là, parce que Valérie Tan avec Gustave pour le capable de répondre à la question. N'apprend le dernier, Saül, Lila, nous avons un ami en ligne, bonsoir. Ne parle pas là, Saül. Et n'apprend le dernier, 38 47 82 20 40 33 95 63. Bonsoir, baissez volume là pour nous qui la caïwa. Zami a beaucoup près ça, Will. Nous remercions lui parce que il pas baissé volume là. N'a prend un dernier appel 38 47 82 20 40 33 95 63. Et puis déjà nous avons mis le cap sur la célébration du 8e anniversaire de Blocus. C'est le 15 août prochain, hein, notez. Un dernier appel là. Bonsoir. Zami, ça pas voulu baisser volume, non? Non faut... Oui, baisser volume, non? Baisser volume, Zami. Baisser volume. Je vais vous faire une émission un peu en hauteur, même si on doute quand même, nous avons une question très simple. Est-ce que Zami, dans le cadre de recherche, est-ce que nous arrivons à déterminer une année symbolique? Et je vais parler de déterminer une année sur le plan prophétique par rapport à la puissance de Dieu. Vous notez? Ou d'autres questions? Oui, prenez bon, Zami, s'il vous plaît. D'accord, ma problème pour nous, est-ce que, et madame et monsieur invité, dans le cadre de recherche par eux, ils ont arrivé à déterminer une année sur le plan prophétique par rapport avec les données que vous êtes là. Donc, une année qui est vraiment déterminante pour Haïti.
D'accord, merci en pile pour participation dans blocus. C'est n'a fait qu'on est 15 ou cap vinn là, li pral fait blocus 8 ans. 8 ans de formation, d'information et d'éducation. Et ou a bien possibilité au fur et à mesure dans je cap vinn là pour dire nous qui sont à remet nous porter comme élément nouveau dans blocus. Et puis nous tout annoncer c'est chaque nan fin et moi et bien entendu n'a bien pour nous bailler et pas plus non, quoi que c'est $1,000 et en fait 1500 combien il est en good là ça huile $1,000 hein non 5000 good n'a bien pour bailler 5000 good chaque mois à mon cash gagnant mi cap joine 250 good gagnant mi cap joine 500 good mais c'est chaque mois pour nous mobiliser alors faut me dire ça œuvre ça c'est 11 ans mi nous qui au Canada il dit bon gon façon ta aimer d'Haïti nan façon parle mais il dit me pas citer nol mais lui-même ses contributions saltaire mais bail pour ti jeunes qui veulent pas connait et les moun yo recevoir mon cash al ka $50 ka 60 de ka 100 mais pas plus bas que 250 gouttes bien entendu. OK, li gen 100 et cetera. Donc zami ça on le fait encore qui au Canada et n'a premier ciel du fait que li utiliser façon ça pour le bail contribution pas tout et dans pays d'Haïti. Et puis zami pas gen ta poser question yo bien entendu n'attendre et deux trois questions pas et mitraille, pas bombarder s'il vous plaît dans numéro WhatsApp moi en 37 62 47 95. On a les Valérie et puis Gustave pour et réponse yo. On a En question 1, je ne comprends pas. Eh bien, communiquez-le, non, l'île pour l'île, Valérie. Question 1, dit, est-ce que nous avons assez courage pour nous mener une bataille ça, parce que depuis que nous politiques météo, mais sous nous, nous avons tant échoué. OK. Alors, bon, dit merci à l'auditeur. Et, alors, qu'est-ce que tu me dis, courage, là, c'est, si c'est pour nous, nous sommes capables de courage, là, d'ailleurs, c'est pour nous, nous sommes capables même là, même. OK et parce que me songe moi me dit tout le monde ça avant même noter comment c'est faire émission ça ici avec PRG et dans mois de juillet si me songe nous t'a fait business nous t'ai dans la toute la journée n'a vendre céramique comprendre n'a vendre tout ça qui rapport à construction et ça n'était fait avant et puis créateur a décidé de mettre mes sous-nouveaux dit nous va faire job ça pour lui. OK c'était pour nous pas là mais nous là parce que il décide nous faire comme céramique là quand même parallèlement non il fait mes business il fait business net pour nous carré temps à la forme du PRG depuis l'étape bonne révélation pour calendrier il a fait tout business net. OK il prend soin nous mais il fait mes business pour nous carré temps pour nous capable décoder interpréter jusqu'à ce calendrier a fini et pour nous continuer faire ça en affaire là ça veut dire courage là c'est ligue banoul par conséquent attendez nous là jusqu'à ce qu'il dise nous fini mission fini ça veut dire ça c'est lui qui met courage pas l'encourage pas nous d'accord chaque question yo ou gagne 3 minutes pour répondre, pour chaque 2 minutes, par question. On a la deuxième question. Est-ce que Yeshua, c'est Jésus-Christ? Et oui, pour tout le monde qui habitue à entendre. Alors, ben, Jésus-Christ blanc, qu'on a montré nous, non, s'il vous plaît. Jésus-Christ. Non, il va aller. Alors, Jésus-Christ, c'est ça, européen, ou bien, baronné. Babylonien, non, il va petit bon Dieu. Mais petit bon Dieu, pas blanc, pour le bagaille. Et deuxième bagaille, il va aller Jésus-Christ, parce que c'est pas français. Ok? Il va aller Yeshua, parce que c'est un hébreu. Ils sont juifs, ils sont la tribu Juda. Et ça, nous sommes là. Et d'ailleurs, ils sont là, les noirs. Et par contre, si nous avons une petite vidéo qui a circulé sur net la dernièrement VRG, quand nous avons finalement commencé à montrer que Yeshua sur la croix sont black. Ok, son moun noir, son moun qui a couleur bronze. Yo commencé d'accord, ça va c'est bon. Yo pas choix, ça la Bible dit. Ok, Apocalypse, on verra ça. Il est Yeshua, il n'est pas il est Jésus, il n'est pas blanc non plus. Troisième question. Différence en quoi qui l'endroit pour français? Effectivement, pas de répondre à une question ça. On dit bien rapide. Quoi pas nous là, VRG depuis, alors auditeur, depuis l'an. Et après indépendance là depuis dans armoirie impériale là 1804 il était en présent pour j'ai vu le temps là ça veut dire le temps là depuis 1803 et ben monsieur français il a gon coq là par roi même coq par roi venir en 1831 comprenez bien la différence là 1831 ça il fait il cache armoirie là il met il font il fait des cérémonies mystiques côté il met pied sous lion hein? Et puis il retire coq là et puis il dit coq là c'est pour eux. OK pour qui ça parce que dans la tribu Juda peuple ça c'est peuple bon Dieu c'est peuple qui toujours gain abondance. Maintenant automatiquement yo fait mystique ça pour marier lion pour pas kagoum encore yo retire coq là pour pas veiller encore là yo dit coq là c'est pour yo mais sauf que VRG ou bien auditeur et n'attendre la France français eux même dit eh ben à moi ça gain coq là il pas officiel et ça fait aucun problème jodi là dans Union européenne parce que Union européenne dit yo tout pays net en Europe gain un amari yo même tout faut un amari officiel. Yo dit oui nous avons mari mais c'est coq là mais c'est officiel, pas qu'à mettre l'officiel parce que c'est pas pour yo tout simplement. Pa yo c'est copier y a copier
yo retire pas nan yo pa kite nou konnen ta c'est une raison fait pa kite nou konnen a moyen impérial là et deuxièmement yo fait en pile mystique en pile degré mystique pour te fermer nous et j'aime ça dire nan yo montre nous sorti et comme nous sorti konnen mais ça fait toute vérité yo a fini par sortir OK quoi que ça va pour auditeur quoi que ça c'est quoi Haïti yo essayer prendre mais yo pa ka prendre parce moment arrivé côté toute bagaille yo a prostitué à pays. OK. Cérémonie bois caïman, est-ce que lui sorti dans tribu Juda? M'en veux question ça. Alors Valérie, elle t'a commencé, elle t'a dit effectivement que et il pourrait détruire peuple yo, yo détruire histoire yo, yo détruire mémoire yo et puis l'autre monde fait livre pour yo. Yo détruire culture yo, l'autre monde fait livre pour yo, yo expliquer yo, une équipe bagage qui pas rien à voir à yo, à histoire yo. Mais c'est exactement ça qui arrivé. Qui est-ce qui va nous cérémonie bois caïman? Français yo. OK? Et yo fait exprès ben nous cochon. Vous savez ben cochon parce que quand je fais pas mis la cochon comme je fais pas mis la cochon et là il y a que cochon dans l'estomac nous c'est pour ne pas jamais connaître comme si depuis où t'es dans cochon mais pas rien à rapport avec Israël du tout pas rien à faire Juda du tout ni à Lévitio du tout tandis que Bookman il est l'homme du livre Bookman homme du livre livre là c'est qui livre de la loi OK livre de la loi c'est qui ça les cinq premiers livres de la Bible tandis ça que t'es fait là c'est ton congrès. Et monsieur va déformer congrès pour aller le cérémonie bois caïman et cérémonie ça tout c'est pas vaudou pour qui ça même tout dit tout monde ça berger auditeur si c'était pour vaudou nous tapons barbarie jusqu'à présent parce que français au plus fort yo plus fort que nous longtemps la question ça parce que loi bah nous les lois yo c'est bas niveau net sous plan mystique bas niveau net yo même l'illuminati et yo dans franc-maçonnerie tout livre net qui écrit sous franc-maçonnerie c'est la France qui écrit. On nous pense que c'était si bas ça on tape kagouma la France tape jusqu'à présent tape joue que nous tape notre travail du toujours. Et ça l'indé dit ça la constitution du 105 là c'est Dieu créateur c'est lui même qui bannit l'indépendance là et nous sautons well à travers à Maria et nous sautons à travers drapeau tribu Juda pas aucun rapport. OK autre chose m'a ajouté c'est pour cochon c'est le sanglier moun ki te konn reme gade dessin animé Astérix et Obélix Obélix c'est toujours à courir derrière un sanglier c'est un animal emblématique de la France que lié donc et cochon encore son l'autre partie dans histoire yo prend Jean-Yo ban nou amwari, Jean-Yo ban nou drapo, Jean-Yo ban nou 18 mai, que yo ajoute pour nous dans l'histoire. Ok. Question. Une autre question toujours. Gon moun ki di ou, yo di que lion a campé. Est-ce que c'est. Alors, est-ce que c'est un esprit qui dit que lion a campé ou bien est-ce que c'est en recherche nous? Alors, qui te m'di nous? Nous te dit déjà, nous vin là, nous vin là, c'est parce que nous avons travaillé pour créateur. Et mais il explique tout bagaille, il montre tout bagaille déjà. Tout bagaille il voyen faire nous faire yo et puis ensuite il montre tout ça arrivé après ça le voyen faire yo. Et ça fait me dit nous lui en campé année emblématique là, année ça me dit toujours dit nous c'est année 1804, siècle la fermé, 2021, nouvelle constitution, 1805 exactement. Et à partir de année ça Haïti pour aller de monter en montée jusqu'à ce niveau 2023. 2023 c'est pour aller côté nous va pousser ses ailes et puis nous va commencer voler. OK. Qui sont toujours fuck alors force quitter by indépendance non est-ce que c'est même force ça David de qu'on utiliser pour le goumen oui c'est parce que David va après c'est étoile là qui l'a à Maria et qui à Maril étoile là c'est Yeshua et Dessalines c'est lui même qui prend lion c'est-à-dire c'est encore Yeshua étoile là c'est Yeshua et lion c'est Yeshua c'est-à-dire c'est même force ça c'est même qui à David là comme Dessalines c'est descendant Juda descendant David mais c'est même lui même tout est avec Dessalines là. OK nous jeune étoile de David dans Apocalypse 22 verset 16 m'a dit tout ne m'a pris fin qui dit je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin exactement. Dernière question. Est-ce que yo arrivé déterminer une année prophétique qui t'a déterminé? OK oui, ça c'est me répondre déjà même dit oui. Année prophétique là c'est 2023. 2023 c'est pral l'envol d'Haïti. Maintenant nous sommes en transition. OK? D'accord. Ça une la prochaine t'a prend alors réponse rapide hein et réponse question réponse. N'a prend deux derniers appels et 38 on pas besoin noter non et Valérie 38 47 82 20 et 40 33 95 63 n'apprend seulement deux derniers appels à blocus c'est soit peine branché n'a rappelé invité nous c'est Valérie Gustave elle est entrepreneur et puis et l'historien Jean-Victor Gustave nous avons mis en ligne n'apprend l'avant dernier appel là on allez bonsoir. Oui allô bonsoir. Bonsoir Zami. Oui, nous allez tout le monde sur panel là. Oui. Et alors moi-même j'ai une information d'ailleurs et surtout avec professeur Gustave et est-ce qu'on rappelle non à la constitution côté des salines dit que
et citoyens indigènes, hommes, femmes, filles et enfants, portez vos regards sur toutes les parties de l'île et cherchez-y. Mais on constate que pas de nous n'avons jamais porté attention sur le cas d'Haïti. Nous n'avons pas jamais porté attention sur lui. Et nous n'avons pas jamais essayé pour nous changer le sens pour nous être qui ça le symbolise. La carte d'Haïti. Oui, la carte d'Haïti. D'accord. Oui. Mais est-ce qu'on a une réponse? Parce que nous, même, on a une émission de débat. Oui. Est-ce qu'on a une partage de connaissances? Exactement. Il y a un chiffre 7. L'inversé, c'est ça. 4 là. L'inversé, l'inversé, okay. L'inversé, ou virer vers la gauche. Ok. Ou après, l'on mettait le campé, il y a un chiffre 7. Ok. Eh bien, d'accord. Merci. Et vous avez raison. Ou t'as dit l'autre bagaille. Maintenant, si vous prenez même 4 d'Haïti, ça, vous mettez le monde en balle, ou après, il y a un point d'interrogation. Ce qui veut dire que Haïti était un problème pour le monde. Est-ce que nous comprenons? Yes. D'accord, merci un peu. Merci un peu pour l'information sur partager avec nous. Alors, qui t'a m'ajouté pour lui, oui, effectivement. Et là, on écrit Haïti, Jean Wade Saline écrit là, H-A-Y-T-I, là, on fait numéro, vibration, libre 7, exactement. Haïti, c'est 7 vrai, c'est la perfection. Et Haïti en entier. Et ceci, monsieur, j'en ai eu l'autre. Exactement. L'autre façon. L'autre inversé. Et ça qui est intéressant, nous avons fait l'émission déjà, nous avons dit, Mounio, sous l'île entière, toute l'île nette, y compris la République Dominicaine, il semblait à Timouton accoucher. Et Timouton, c'est qui est? Et Timouton encore, c'est Yeshua. D'accord. Le dernier appel, et non pas le dernier appel là, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, PSG, c'est moi qui t'ai relé tout à l'heure. Oui, ça même. Et oui, alors comme étant donné que nous connaissons que il y a un pile parole qui dit que Haïti vient pour subir une catastrophe du jamais vu. OK? Donc est-ce que l'a trouvé dans intervalle de le nuit là à 2023 que est invité Haïti vient pour prendre envol là ou c'est quoi exactement? Réponse. Alors comme temps merci pa... merci en pile. Étant donné que temps parlant mais nous temps c'est détenteur c'est créateur détenteur temps mais moi penser logiquement et parce que 2023 c'est pas en vol et bien de kounya 2023 effectivement tu as supposé gagner nettoyage là gamoun. Alors généralement créateur fait le Jean Levlé lui-même parce qu'il dit ça oui il va prendre conseil à même personne il fait le Jean Levlé côté Levlé Jean Levlé. OK il a fait n'importe là mais sauf qu'il a fait nettoyage là peut-être si ça arrive on le tout il dit OK bon m'a pardonné yo l'a pardonné nous mais sauf que il prévoit grand pile monde qui et Valérie Well, moi Well, un paquet d'autres qui Well, un bagage qui est pour arriver à Haïti, mais sauf qu'une par contre qui joue, qui le. Qui ça? Et le mot de la fin, tout bas numéro de téléphone, non, c'est un ami en Haïti à l'étranger qui t'a aimé entrer en contact avec nous. Le mot de la fin, alors la fin pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, bien entendu. Et n'a pas le goût l'autre belle émission vendredi avec PRG. Côté, nous prenons le chita qu'on y a là sous emblème Monsieur Obanou. N'a pas le ouais. Qui est Monsieur Obanou? Pour qui ça Obanou? Et qui sa bagaille ça veut dire. OK? Alors qui me dit qu'on a des moun pour diable, des petits garçons haïtiens que il y a manipulé mauvais esprit. Alors des mauvais esprits décident de manipuler yo, bailler des informations pour dire c'est bagaille ça est bon Dieu que t'es bailler. Alors vous comprenez? Et qui te me dit yo, c'est pas faute yo, c'est parce que les autres là qu'on est Haïti a sorti, n'a chercher tout le monde pour bailler information pour le cabouiller quatre là. Mais qui te me dit nous, n'a pas rien pour nous reprendre nous parce que nous pral ouais effectivement. Pour qui ça rebond nous côté sorti et sa bagaille ça y est. D'accord. Et avant. Téléphone? Téléphone là c'est 49 44 89 01. 49 44 89 01. Nous ca suivre nous tous sur Facebook, sur Twitter, YouTube, Instagram sous nom Leadmotiv H. Leadmotiv L E A D motiv M O T I V H la lettre H. Merci en pile et je dis on a deux invités dans blocus n'a rappelé liste c'est l'entrepreneur Valérie Gustave c'est lui qui t'a intervenu là et puis et t'as là c'était un professeur historien Jean-Victor Gustave. Merci du fait que nous t'étais disponible. Merci aussi BHG. Merci BHG. Merci en pile et puis là. Merci à vous tous et à vous toutes qui t'avez suivi blocus depuis 4 heures pour arriver dans le ça, n'a remercier ensemble de techniciens nous particulièrement nos deux magiciens de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, je vais parler de Sahul et puis Dimitri Loture.
Et puis pour commentaire critique suggestion canalise pas oublier crime dans numéro WhatsApp moi hein, qui c'est 37 et 62 47 95 pas oublier tout écrire dans adresse électronique qui c'est guillaume29richard@yahoo.fr et bien n'a tout annoncé sous peu hein dans un avenir pas trop lointain conseil de rubrique nous pour l'OM sous channel YouTube moi tout qui c'est Pierre Richard Guillaume Info d'ailleurs qui est en disponible et bientôt nous pour commencer ouais quelques petites rubriques sur la santé, l'éducation etc. etc. bientôt donc on doit annoncer nous en étoile checker Pierre Richard Guillaume Info sur YouTube n'a commencé gain plus de détails sous bagage ça et puis et n'a fait qu'on est tout pour fin mois j'en ai dit là et nous va commencer bail cadeau avec quelques fans de blocus mais c'est mon cash ou ban numéro seulement on va expliquer nos processus en bientôt dans fin mois comment on va capable faire bénéficier et mon cash ça. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus pour te présenter au dynamique One Pam. C'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît son nom. P-R-G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Télestom pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Et puis, pas oublier tout, j'ai une émission ça, sous page Facebook moins P-R-G émission Blocus. Bonsoir, je vous aime très fort. Au revoir. Yeah.